Hey. Bonjour les amis. Alors, nous sommes mardi le 22 mars. Et aujourd'hui, on se fait un déjeuner avec des œufs, du riz. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, la mission, c'est que on veut essayer de se trouver un endroit pour se faire tatouer. On va essayer parce que je sais pas si ça va marcher. Parce que sûrement qu'il y a des endroits qui ont de l'attente. Oui, il y a de l'attente. Le prix. Oui, c'est ça. Fait qu'on va essayer de trouver. Parce que c'est ça, tu sais. Ouais. Puis aussi, je vais aller dans une friperie parce que je vais essayer de me trouver un manteau comme plus chaud. Parce que là, j'ai juste ma petite veste, genre de chez Winners. Puis moi, je pensais qu'il faisait plus chaud que ça ici. Mais là, avec le vent, comme là, j'ai mal à la gorge. Je crois que je couvrais quelque chose. Alors, pour pas empirer mon état, je vais trouver un manteau cool dans une friperie, comme un manteau que personne a, là, je sais pas trop. Fait qu'on va aller faire ça. Et si on a le temps, j'aimerais ça aller me promener dans Montmartre, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait assez. J'aimerais ça prendre des photos, faire des vidéos. Pis c'est ça, aujourd'hui, il fait beau, fait que c'est pas mal cool, ouais! Voilà. Et puis vous allez venir avec nous! Oui! Des petits œufs. Comment ça s'appelle? Des œufs pochés, c'est ça? Ouais. Ok. On prend les œufs, on les crisse sur le riz. Comme ceci. Ouais! C'est super facile! Ouais! Et voilà! C'est ça le repas! Ça a l'air dégueulasse, mais c'est super bon. Attention! Plus qu'à saisonner. Attention! Oui! Attention! Qu'on a été prendre notre rendez-vous. C'est cool la rue ici. Il y a plein de choses. Genre, faut pas que je rentre dans ces boutiques-là. T'es content? Ah, mais très content. Ah, mais très content? On va être tatoué. On va être tatoué, putain de bordel de merde. Je marchais tranquille. Bon, et ma sacoche, elle a lâché. La courroie, elle a juste littéralement explosé. Fait que là, ben, la nouvelle mission, c'est à la recherche d'une sacoche. Mais peut-être qu'il y en aurait à la friperie. Je sais pas. Mm-hmm. Fait que là j'ai trouvé une nouvelle sacoche. Ça ressemble à ça. Ça m'a coûté 45 euros. C'est pas quelque chose. Je paye jamais ça pour une sacoche. Mais la mienne a comme... Elle est morte. Elle est belle, non? Je l'aime. En plus il y a des petites têtes de mort. Mais je suis quand même triste parce que... Parce que c'est ma préférée de toute la vie. Là il va falloir que je l'abandonne. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mort de sacoche. Quatrième du nom. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais la crisser dans la poubelle. Oh, rest in peace. Là, on est en train de retirer nos billets de train parce qu'on retourne chez les parents à Cyril jeudi. Oui, c'est ça, jeudi. Puis on reste là pendant 6 jours. On revient le 31, je crois, au soir. Non, le matin. 31 avant midi. Oui. Bref, peu importe. Après ça, le premier, on se fait tatouer. Puis après ça, on veut aller à Amsterdam. Fumer du pot puis tout, là. Voir des putes. Puis là, présentement, c'est ça. Il est en train de saisir son code. Et après ça, on s'en va à la friperie Kilo Shop.
Kuba. Nous, on n'a pas ça à Repentigny. Ça, là, j'ai trouvé un manteau à 32 euros, je crois, avec une petite chemise à 3 euros quelque chose. Je vais pouvoir ne plus avoir froid. Et là, il fait tellement chaud, comme je suis juste mon petit jacket d'habitude. Mais on est tellement bien aujourd'hui, n'est-ce pas, Cyril? Ouais, c'est une belle journée. C'est une belle journée! Et là, on s'en va dans Montmartre. On va aller se promener. De tueur en série. Avec des couleurs. C'est trop cool. Mais ouais, on va attendre qu'il termine. Cyril, il a appelé cet oiseau-là Marcel. C'est trop pas un nom d'oiseau, Marcel. Genre, il faut l'appeler Cookie. Pas un nom d'oiseau, Cookie. Mais oui. Mais non. Mais oui, les Québécois, ils appellent leur oiseau Cookie, pas Marcel. Moi, je les appelle pas, j'ai pas d'oiseau. Bravo. Oh, elle est partie. I take the boulevard and stop at the green yard. Then I left in the park and I run and I run and I run and I run and I run. Simply, c'est une épicerie, supermarché. On s'en va chercher du galop. C'est ma soif. Puis c'est quoi? Ah oui, il me faut des collants, des bas collants, parce que je les ai déchirés, il y a des mailles. Regardez ça là, ceux qui ont encore de la neige chez eux. Regardez les belles fleurs! Soyez jaloux! Regardez les belles fleurs! On est de retour à la maison! Puis je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à la friperie Kilo Shop. On voit un peu mal les couleurs. Mais c'est une petite chemise avec des petites fleurs qui font peut-être un peu grand-mère. Mais que je trouvais trop mignonne. C'est mon manteau qui m'a coûté 32 euros. Il est quand même pas si pire là, pour quelque chose d'usagé, je trouve. Puis j'ai trouvé ça le fun, le fait qu'il y ait un gros collet. Pis c'est ça, je suis contente, ouais! De la petite saucisse, du petit galop. Et si vous avez les petits saumons avec les petits légumes et les petits céréales. Ouais, Cyril, c'était juste des... Enfin, ouais, je sais pas parler. C'est vrai qu'il sait pas parler. Je ne prononce aucune phrase que les clins d'œil. Oui. Ça convient, non? Un homme qui fait la cuisine et qui parle pas. Ça te plaît, ça, non? Non. Oh, c'est bon. On est le lendemain matin et j'ai oublié de filmer une conclusion hier soir. Et je voulais juste prendre un 30 secondes pour dire un petit mot pour les gens qui vivent à Bruxelles. Donc oui, il y a eu les attentats hier matin. Donc je voulais juste vous envoyer tout mon amour. Juste vous rappeler qu'il faut pas
Il ne faut pas arrêter de vivre, faut pas avoir peur de sortir. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont demandé, Emma, t'es-tu correct? Sors plus de chez toi, reste chez toi, mais ça n'arrivera pas. Je veux pas tomber dans un genre de cercle de la peur où est-ce que tu restes chez toi, tu sors plus, puis que tu deviens. Non, je continue à vivre et vous devriez faire la même chose. Donc, soyez prudents quand même. Voilà, je vous aime très fort et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!